À la une de ce nouveau numéro de Faut-il ? La SNCF ne sera plus tout seule et va devoir partager son réseau ferré français à la concurrence à partir du 1er janvier 2021. Date auquel la concurrence va débuter, les exploitants qui ont commencé à récupérer leurs premiers appels d'offres cette année vont pouvoir commencer leur exploitation à partir de l'an prochain. Mais faut-il ouvrir le réseau ferré français à la concurrence ? C'est dans ce nouveau numéro de Faut-il ? Toutes les questions que vous posez dans le domaine du transport commun et de la mobilité, c'est dans ce nouveau numéro de Faut-il ? Bienvenue ! Bienvenue dans ce nouveau concept, bienvenue dans cette nouvelle émission, mais surtout, bienvenue dans Faut-il, l'émission se pose une question dans le domaine du transport en commun et de la mobilité sur Info de Sens et Info TV. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Alors c'est vrai, qu'est-ce que c'est que Faut-il ? Faut-il alors est une émission où chaque mois on se posera une question dans le domaine du transport en commun, bus, train, tram, métro, ou ainsi que la mobilité, c'est-à-dire les trottinettes électriques, les vélos électriques, les taxis ou les voitures, bref, ou même les taxis, tout ça, ça sera dans notre numéro de Faut-il. De reportages, des questions, des réponses, ça sera tout ça en fin d'émission. Mais tout commence pour ce premier numéro. On se retrouvera dans une gare, on parlera de la SNCF. On n'est pas ici parce qu'on est au Bois de Boulogne, mais on se retrouvera juste après pour la question. Bon, je pense que vous connaissez tous qu'est-ce que c'est que la SNCF, Société des chemins de fer français. Pourtant, son histoire, vous ne la savez peut-être pas. Mais alors, quelle a été son histoire? Comment la SNCF a été créée? On va tout de suite avec ça, avec ce premier reportage de Faut-il. 82 années de création, près de 30 000 km de voies en France et à l'étranger, une grande variété de matériel roulant, un trafic voyageur estimé à 5 milliards par an, soit 68% de la population terrestre et un important capital de 35 milliards d'euros. Un beau palmarès pour cette grande entreprise ferroviaire qu'est la SNCF, acronyme de Société Nationale des Chemins de Fer. Pourtant, l'enseigne n'a pas été basée sur une histoire de concurrence, mais pour une toute autre raison. L'histoire remonte en réalité deux siècles plus tôt, avec l'ouverture en 1827 de la première ligne ferroviaire entre Saint-Étienne et Andrézieux. D'abord tirée par des chevaux, les années 1830 seront marquées par l'apparition des premières locomotives, guidées désormais par des rails cloués sur des traverses en bois, et c'est là que les premiers services voyageurs commencent. C'est également le début de la concurrence entre des anciens publics et privés. Au fur et à mesure que le réseau ferroviaire se développait, le début des années 1900 fut le signe de déficit. Coûts d'exploitation, problèmes d'anticipation de gestion, la situation fut problématique pour les grandes entreprises de transport, et la Première Guerre mondiale ne les a pas épargnés. La crise économique des années 1930 ne s'annonce pas sous de meilleurs auspices et menace la survie de tout le réseau ferré français. Malgré des rapprochements infructueux de quelques compagnies, ce ne sera qu'à partir d'un décret et dans le but d'éponger les dettes que l'État français fusionne les grandes compagnies et donne naissance à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, ou plutôt SNCF, un nom qui perdure encore de nos jours. L'État est donc propriétaire de cette nouvelle société et actionnaire majoritaire. Bon, vous connaissez maintenant l'histoire de la SNCF. Pourtant, le début de la concurrence était il y a quelques temps. Et maintenant, qui a été la personne qui a conçu cette concurrence et pourquoi l'avoir fait en France? On va vous expliquer pourquoi la SNCF et la concurrence va être les enjeux de 2021. Nouveau reportage parti. Et oui, après le fret ferroviaire et les liaisons internationales depuis le début des années 2000, la SNCF ouvre ses portes à la concurrence en première partie sur les lignes à grande vitesse, intercité et les TER, puis le réseau RER et Transilien. Filine du monopole, la grande firme pourrait bien se voir partager ses voies avec des opérateurs privés à partir de la fin de l'année 2020 et ce de manière progressive. Ainsi, les nouvelles entreprises pourraient bénéficier d'une délégation de services publics subventionnés, c'est-à-dire l'obtention des lignes TER et intercités, des personnels et des trains SNCF, ainsi que de proposer des créneaux horaires sur les liaisons TGV. Afin d'éviter tout basculement rapide,
Un calendrier spécifique tient compte de l'étendue de l'ouverture à la concurrence sur chaque réseau de transport. Excepté les lignes à grande vitesse où la concurrence est autorisée en accès libre, les RER transiliens et trains régionaux peuvent avoir le choix d'être réattribués à la SNCF ou bien d'effectuer un appel d'offres à un concurrent avant la mise en place obligatoire durant cette décennie. En 2016, le président de SNCF Réseau Patrick Jeantet se voulait être positif quant à cette arrivée en soulignant, je cite, « l'arrivée de la concurrence dans le secteur voyageur permettra de baisser les coûts ». Ceci se notera également sur la présence intensive de trains plus ponctuels moins chers et un meilleur rendu de service, mais également sur des tarifs moins chers et des coûts d'entretien en baisse. Bien évidemment, les trains de la société française continueront à circuler sous les couleurs de la SNCF. Le système de la concurrence est déjà répandu dans les pays d'Europe, tels que l'Allemagne et la Suisse. Alors, partons pour une mixité ferroviaire en France. Bon, c'est vrai qu'en effet, avec la SNCF, on connaît, on va avoir la concurrence et tout, mais on s'est peut-être posé la question, comment ça se passe la concurrence dans les autres pays? On va voir tout ça avec, l'Allemagne, la Suisse et la Suède. L'ouverture à la concurrence ferroviaire en France, c'est aussi prendre l'exemple sur des pays européens. Des cas comme l'Allemagne, la Suisse et la Suède qui ont déjà adopté ce nouveau système. Allez, faisons un petit tour chez nos voisins européens si vous le permettez. En Suisse, c'est une situation très farfelue qui se présente à nous. Car en effet, on peut ouvrir son réseau ferroviaire à la concurrence et ne jamais voir pointer l'ombre d'un train concurrent. Depuis 1996, la SNCF, ou plutôt Chemin de Fer Fédéraux, a perdu son titre de monopole pour les trains régionaux. C'est une aubaine également pour les autorités organisatrices des transports régionaux, car l'objectif de la libération était de challenger les SNCF, l'opérateur historique, en utilisant la concurrence comme un aiguillon pour débourser moins d'argent public. Il s'agit en fait d'une ouverture virtuelle pour faire progresser l'ancien monopole et le rendre plus performant. En 1998, 2 ans après l'ouverture à la concurrence, nos voisins suisses ont eu la sagesse de séparer les activités de transport et de gestion de l'infrastructure en transformant les SNCF en sociétés anonymes publiques. Ce que s'apprête à faire la France avec la SNCF à la différence près que dans le modèle intégré français, le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau appartient au même groupe que l'opérateur SNCF Mobilité. Pour la Cour des comptes, les résultats obtenus en Suisse sont positifs tant sur le plan de l'offre ferroviaire que de la fréquentation de qualité de service ou de la maîtrise des coûts. Les recettes commerciales ont augmenté de plus de 50% entre 2002 et 2011 et le résultat d'exploitation a progressé dans le même temps. Il faut dire aussi que les Suisses participent au coût d'exploitation de l'équivalent de nos TER à hauteur de 50% contre 25% en France. En Suède, l'ouverture à la concurrence a déjà 30 ans. En effet, elle a été lancée en 1990 en même temps que la décentralisation, l'État suédois confiant à leur région la compétence du transport ferroviaire. 30 ans plus tard, les autorités régionales jugent que l'ouverture leur a permis de renforcer leur rôle. Elles ont pu définir leurs propres exigences en matière de qualité de service, choisir leur opérateur. Toutefois, après les premiers appels d'offres sur les coûts, les régions ont privilégié la qualité de service, ce qui s'est traduit par une hausse des coûts couverts à 50% par le prix des billets qui a augmenté de 150% entre 1990 et 2015. Malgré cette hausse des tarifs, associée à une régularité qui atteint 95%, le nombre de passagers a également augmenté de 200% sur les réseaux régionaux, passant de 100 voyageurs kilomètres en 1990 à 300 voyageurs kilomètres en 2014. Cette fréquentation qui a triplé a entraîné des besoins en investissement et en renouvellement des infrastructures qui incombent à l'État. Côté exploitation, on note des difficultés de coordination entre les différents opérateurs présents sur le réseau. La libération a aussi conduit à des situations où les logiques économiques et celles de services de public s'affrontent. En revanche, depuis 2010, la Suède permet à une entreprise privée de solliciter des sillons sur un marché conventionné, par exemple une ligne qui fait l'objet d'une délégation de services publics, une forme de concurrence jugée déloyale par la Cour des comptes puisque la région se doit d'assurer un service public de transport, y compris pour les lignes non rentables. Entre ces deux cas si distingués, l'Allemagne trouve son équilibre. Son système d'ouverture à la concurrence, entreprise en 1994, a été instauré le 1er janvier 1996 lorsque l'État allemand a transféré au 16 Länder l'organisation et le financement du transport collectif régional de voyageurs. Souvent cité comme exemple à suivre, l'ouverture à la concurrence ferroviaire outre-Rhin présente en effet un bilan positif salué en 2018 par la classe politique. L'on peut constater également une courbe de trafic qui suit celle de l'ouverture à la concurrence, car l'offre proposée par les autorités organisatrices des transports est passée de 605 millions de trains kilomètres en 2002 à 671 millions en 2015, soit une progression de 0,8% par an. Du côté du trafic,
Il a augmenté au niveau régional de 50% entre 1996 et 2014, passant de 36 milliards de voyageurs kilomètres à 53,5, tandis que le trafic des trains longue distance a stagné sur la même période autour de 35 milliards de voyageurs kilomètres. Toutefois, l'ouverture à la concurrence a permis également une baisse des coûts d'exploitation et par une meilleure productivité que la DB, ou plutôt appelée Deutsche Bahn. Et même si la baisse des coûts a principalement été constatée sur les premiers appels d'offres, cette réduction a permis de faire baisser le budget fédéral consacré au ferroviaire de 41% entre 1994 et 2016, qui est passé de 17,6 centimes par voyageur kilomètre à 10,3. Toutefois, le prix du billet dans le transport régional a progressé de 37%, contribuant à renforcer la part du financement par les clients. Ces trois cas nous ont permis de constater la belle évolution et la baisse des coûts d'entretien ainsi que des prix, une baisse qui s'est manifestée grâce à l'arrivée de la concurrence ferroviaire. Malgré une hausse du trafic voyageurs par an, celle-ci offre un meilleur rendu de service, en plus de trains plus présents et plus ponctuels. Alors, à quand pour une mixité ferroviaire en France? Tout de suite, on va répondre à la question qu'on s'est posée en début d'émission. C'est parti pour les réponses oui et non. Alors, la question qu'on s'était posée en début d'émission, on va y répondre maintenant avec les réponses et les oui et les non. Alors, pourquoi? Les oui déjà, en effet, avec la concurrence, le meilleur train qu'il pourrait y avoir avec le jour, avec la concurrence, des trains au bas coût, mais des trains avec des conforts qui sont inégaux par rapport aux trains qu'on a vus. On aura peut-être de nouvelles dessertes, de nouveaux trains qui seront desservis et surtout des meilleures fréquences de trains. Le gros problème qu'il pourrait y avoir avec cette concurrence, c'est si le réseau ferré national français n'est pas à la hauteur, il pourra avoir même pas mal de problèmes, même si des concurrents pourraient venir sur le marché. Mon avis sur la question, on va voir ce que la SNCF va faire les prochaines années. Les concurrents pourraient être une bonne chose pour la France, le meilleur train, un confort qui sera différent, un prix qui sera aussi bien plus bas que la SNCF. Et deux questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on verra une SNCF qui va être forte et va tenir face aux concurrents, ou est-ce qu'on aura une SNCF qui va s'écrouler face aux concurrents et qui aurait une SNCF qu'on n'aurait plus la force qu'il y avait eu avant et qu'ils auraient perdu la trois quarts des lignes? La réponse, on le verra ça dans les prochains mois avec le début de la concurrence qui arrivera le 1er janvier 2021 et on verra par la suite ce que la SNCF et les concurrents vont réussir. Dans ce numéro de Faut-il, en espérant que l'émission vous aura plu. N'oubliez pas bien sûr que l'info est à côté sur notre compte Twitter et Instagram d'Info TV, groupe Info TV, et sur le compte Twitter et Instagram d'Info TC France. Il s'agit d'un score national, il s'agit d'un score par Île-de-France. Ainsi que sur le compte Instagram, Info TC France, un score par Île-de-France. On se retrouvera nous le mois prochain pour une nouvelle question de Faut-il. D'ici là, passez une bonne journée et une bonne soirée. Si on fait ça, c'est un côté. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.